Je me présente, Dice B, Cab Burglars. C'est le groupe, la famille qui je suis. Je suis un artiste, je suis un intervenant, je suis un rebelle. Je suis aussi un motivateur, je suis un père de famille. Je pense que ça englobe pas mal qui je suis. Bon, voilà, ça c'est les titres qu'on me donne. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappe, je suis un artiste, je suis aussi un animateur de radio. L'émission s'appelle Nuit Blanche, le 102.3 FM, tous les lundis soirs de 23h30 jusqu'à 3h du matin depuis 1991. Donc, avec la radio, j'en ai fait beaucoup. J'ai beaucoup affecté des vies, j'ai aidé plusieurs personnes d'après ce qu'on m'a dit. J'en ai sûrement dérangé quelques-uns aussi, puisque le logo de l'émission, c'est qui bouge et qui dérange. Donc, je suis sûr que j'ai dérangé un peu. Ensuite, je suis intervenant jeunesse. Ça veut dire que je travaille avec les jeunes dans un centre jeunesse, YMCA, sur Parc des Saint-Viateur. Je fais ça depuis quelques années maintenant. Donc, à travers ça, j'ai pu les motiver à faire de la musique, puisque c'est ma passion à moi, c'est la musique. Mes influences premières seraient les gens comme KRS-One, Rakim, Big Daddy Kane. Puis si je me rapproche un peu pour vous, là, je dirais Jay-Z. Pourquoi Jay-Z? Voilà, faut comprendre, hein. Jigga. Faut comprendre, Jay-Z, à part le fait que lyriquement, c'est une bête, mais c'est aussi parce que il représente une continuité, il représente le succès avec l'âge. Maintenant, quand il s'agit maintenant de la radio, j'ai des gens comme Butchetti, CKUT, hein, quand même, on leur donne un gros shout-out. Butchetti, des gens comme Almighty Flight, Tantan et tout ça, Masters at Work, tout ça, ils ont commencé en même temps à peu près. Donc, ce serait plutôt mon influence, je vous dirais, pour le Canada, Montréal, blablabla. Maintenant, les États-Unis, bien sûr, il y a, you know, DJ Flex, Master Flex, you know. J'allais à New York souvent, donc c'est ce genre de voix que j'entendais, c'est le genre de choses que je trouvais intéressant. Puis quand l'opportunité s'est présentée, voilà, j'ai embarqué. Fait que ce serait ça plutôt mes influences quand il s'agit de la radio. Maintenant, quand il s'agit de l'intervenant jeunesse, je pense que je te dirais que ce serait peut-être plus mes collègues, peut-être, de travail, ou bien tout simplement le besoin d'aider, le besoin de d'amener les jeunes quelque part. Parce que, je veux dire, la radio, en passant, c'est communautaire, donc ça veut dire que je suis pas payé, donc j'ai toujours fait du bénévolat, parce que toute ma vie, en fait. Donc je me suis dit que la meilleure façon de faire du bénévolat encore, d'aider, et d'être payé en même temps. Voilà.